pas s'en tenir aux découvertes et ne pas s'en tenir surtout à la vérité. Parce qu'il est très Nietzsche, hein, il considère parfois que quand on s'en tient à la vérité, quand la vérité ne nous étonne plus, alors la vérité est plus mensongère que le mensonge lui-même. Donc vous voyez, c'est vertigineux. Il ne faut jamais renoncer au vertige. Voilà. Ne renonçons pas au vertige d'être surpris. Continuons de nous étonner de ce qui est là pour nous rassurer. Voilà. On peut complètement choisir de passer à autre chose, de penser à autre chose et de ne pas faire de philosophie. Mais faire de la philosophie, c'est ne pas se satisfaire de ce qui nous rassure. Que ce soit une loi de la physique ou que ce soit une croyance, si vous voulez.